Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'Internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 7 de notre carrière manager avec Nancy. Donc, le premier match, nous allons jouer un match de coupe nationale contre Caen. Et lui, je vais le promouvoir, hein, les amis. Je vais le promouvoir, il a 75-91. Donc, nous sommes pendant le marché des transferts, mes chers naufragés d'Internet. Et c'est très bien, parce que on va se renforcer. On a 2,67 millions. On va pouvoir se renforcer. Donc s'il y a des joueurs qui vous intéressent, que vous aimez bien, eh bien, dites-le moi. Doté d'un énorme potentiel. Écoutez, je vais les tester en coupe. Je vais le tester en coupe, ce jeune joueur. Et je voulais absolument prolonger mon cher... Bassi, voilà. Donc, contrat se terminant dans 6 mois. Donc, on va essayer de négocier son contrat. En sachant que ça va être un petit peu compliqué. Hein, parce que je pense pas qu'il veut rester dans un club aussi nul. Dans la vraie vie, il nous a quittés pour Metz. Pour 0 euros. Ça fait mal. Metz, c'est le rival historique. Oui, on sait. Il va demander crucial, évidemment. Oh non, j'ai... Voilà, crucial, c'est ça. Crucial. Oui, c'est ce que nous espérons. Alors... Est-ce qu'il veut prolonger correctement 3 ans, ça te va? Non, il va pas vouloir, hein, 3 ans. Hein. Pas de prolongation, voilà. Si. T'es obligé de prolonger, mon coco. Bon, bah, prolonge d'un an. Et si tu veux pas, bah, t'es obligé. Je te mets la corde au cou. Ok. Il veut bien un an, donc... pas de clause, c'est parfait. Accepté. Et maintenant... discutons de son salaire. On va lui mettre 100 de plus. Puis la prime, on va lui mettre, on va peut-être pas exagérer, on va lui mettre 4000. 4000, je voulais mettre. Pas 400. Voilà, 4000. Ça te va? Ça te va? Bah si, on a augmenté ton salaire. Bon, ça va. Pour ce match, mes chers naufragés d'Internet, j'ai complètement fait tourner. Nous avons Giovanni Hag et Christopher Wau en défense, en défenseur droit Lefebvre, en défenseur gauche Fischer, Nguimba et Bondo à la récupération, Biron, Merghem sur les ailes et Triboulet et Barca en buteur. Et on va tester notre nouveau joueur, Moreira, notre gardien de 17 ans. Je crois qu'il a 17 ans. Je m'en bats les reins, je n'ai rien à foutre, je m'en bats les cas, je m'en bats les W. C'est parti pour ce match, mes chers naufragés d'Internet. Nous avons complètement changé l'effectif. C'est un match de coupe. C'est un match qui n'est pas super important. Mais si on va plus loin, eh ben, c'est parfait. Ça fait jouer les jeunes. Et puis ça fait... Non, Triboulet. Triboulet, il est vraiment horrible dans les passes. Allez, Barca! Ah, j'ai cru qu'il n'y avait pas corner. Je me suis dit, oulala! Cette tête, elle est affreuse. Allez, Triboulet! Triboulet! Come on, Triboulet! Allez, Christopher! Oh là 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 là! Oh, penalty! Pourquoi? Mais en vrai, enfin, je suis désolée, mais reste sur tes jambes, c'est un match de foot. Sérieusement. Voilà, bravo notre gardien, 18 ans. Il arrête le penalty qui était mal tiré. Allez. Allez Barca, cours. Cours mon petit. Cours. Ah, dommage. Pas assez de puissance, Yanis. Oh là là, je me fais... Allez, Triboulet! Cours, mon petit! Il est gaucher ou droitier, je sais plus. Je sais plus. Oh non! Qu'est-ce qu'il est nul! Oh là là, il est nul. Schindler, il l'aurait mis 1000 fois. Il est trop nul. Je suis trop nul. Et il est trop nul aussi.
Mais non! C'était après le temps additionnel, je me suis fait avoir, je me suis déconcentré. C'est pas mérité. À part le... ils ont pas eu beaucoup d'occasions. Et puis qu'est-ce qu'ils ratent, Triboulet? Je sais que je suis nul, mais qu'est-ce qu'ils ratent aussi? Sérieusement, on peut mieux faire que ça. Mais Dimer Game, il fait rien du tout sur son côté. Qu'est-ce qu'ils font? Triboulet? Mais voilà! Tu te venges de ton raté de tout à l'heure! Merci, Vini Triboulet! Le numéro 21, le buteur que personne ne veut, le buteur qui est toujours dans notre équipe. Il joue rarement et quand il joue, il est nul. Il a raté un immanquable et puis là s'il la rate, je le vire de l'équipe. Hein. Bon, 1-1 au retour du vestiaire direct. Direct, ils ont fait une passe n'importe quoi à direct à Aurélien Nguimba. Lui, là, qui court comme un fou, là. Lui, c'est Aurélien, lui. Ah non, c'est Bondo! C'est Warren! Allez, Biron! Allez, Mika, tu les mets tous dans le vent! Non, tu les mets pas dans le vent. Tu mets personne dans le vent. Écoutez, mes chers naufragés d'internet, je ne sais absolument pas dribbler. Triboulet! Et Triboulet! Triboulet qui met le doublé. Triboulet qui fait la petite célébration de Luis Suarez en embrassant ses poignets. Le corner est très bizarrement frappé. C'est presque une cloche. Personne ne vient m'attaquer. Triboulet, c'est pas le plus petit, mais non, c'est pas non plus un génie de la tête. Et Triboulet qui double la mise. Qui se fait pardonner de la première période. Bon, on est mieux rentré dans cette... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Dans cette deuxième période... Non, ça sort. Hein. Cette deuxième période est un petit peu moins nulle que la première. Maintenant, il faudrait idéalement mettre le troisième but. On se fait pas avoir par les feintes. Oh, il m'a eu. Oh là là, là là, là là, mais sors! Mais je te demande de sortir dans les pieds, tu sors pas! Pourquoi je me fais avoir avec des dribbles? Moi, je comprends rien, moi, quand les gens, ils dribblent. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible, ça! Oh, mes chers naufragés d'Internet, je sens que je vais prendre un but. Oh oui, Triboulet! Le triplé! Le triplé pour Vini! Triboulet! Avec la passe merveilleuse de Aurélien Schedler qui fait déjà mal. Aurélien revient à Nancy par pitié. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Aurélien. Vini qui fusille Ryu pour le triplé. Maintenant, il faut défendre. Clairement, on défend. C'est terminé. La victoire 3-2. Le parcours continue pour nous en coupe, mes chers naufragés d'Internet, grâce à cet homme, Vini Triboulet. Un triplé pour lui. Tout s'est joué en deuxième période. Il y avait 1-0. Score final 3-2. On va enchaîner, mes chers naufragés d'Internet, et on va retrouver notre équipe préférentielle pour le prochain match. Voici notre héros, le meilleur buteur du championnat de Ligue 2, Aurélien Schedler. Bon, mes chers naufragés d'Internet, nous sommes chez nous, au stade Marcel Picot. Nous venons de jouer, et j'imagine qu'ils ont mis leur équipe une, et nous aussi. Nous sommes prêts contre Caen, deux fois contre Caen, et on perd déjà la balle. Très bien, merci. Non, il y avait une faute, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, ça c'est pas bon ça. Mais non, il est pas du tout parti à l'aventure, notre gardien. Qu'est-ce que tu racontes, Hervé? Oh oh. Non, 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 non. C'est pas possible.
C'est pas possible. C'est qui, lui? Oh là 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 là. Mais c'est K qui vient pas assez vite et le gardien qui est vraiment mauvais. Yacine Bamou, le numéro 10, qui nous met le premier but déjà au bout de 12 minutes de jeu. Première occasion, premier but. Et nous sommes menés. On va rien lâcher. On lâche rien, mes chers naufragés d'un. Vini. Nickel. Allez, Bertrand. Allez, cours, mon petit. Cours. Charles. Charlito. Je suis hors-jeu. Je suis pas hors-jeu ? Yes ! J'étais sûr que j'étais hors-jeu, tout le monde a levé la main. Aurélien Chedler qui égalise sur ce... Oh là là, les gens qui crient. J'étais sûr que j'étais hors-jeu. Tout le monde a levé le bras. Je me suis dit c'est mort, mais je frappe quand même. J'ai bien fait. Le but n'est pas hors-jeu, la défense était apathique. Ils se sont dit il y a hors-jeu, on ne fait plus rien. Je fusille Ryu avec Aurélien Chedler qui marque son 17e but en championnat. C'est ça qu'on veut. Bon, une action, un but des deux côtés. Aurélien Chedler, c'est le meilleur. Achetez-le dans toutes vos carrières, mes chers naufragés. Enfin, vos carrières avec une équipe nulle. Hein. Parce qu'il a quand même que 60, 65 ou 66. Non, je pense qu'il est un petit peu meilleur que 65. Le pressing, Ryu qui panique et qui nous redonne le ballon. C'est gentil Ryu, merci beaucoup. Charles. Ah, dommage, dommage. C'était pas mal Aurélien, t'inquiète pas. C'est bien, continue. C'était compliqué, il était dans un angle compliqué. Il est droitier. Je suis hors jeu. Je suis pas hors jeu. Aurélien, ajuste ton centre. La tête en cloche qui passe pas. Dommage Aurélien. Des occasions compliquées qui passent pas au fond. Deux frappes d'Aurélien hors cadre. C'est K qui gagne aucun ballon de la tête. Alors le mec c'est un buffle, je ne comprends pas. Et je pense évidemment à tous les fans de Nancy qui peuvent tomber sur cette vidéo. Aujourd'hui ou dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et ben la situation est critique actuellement. Nous sommes fin août et nous sommes derniers du championnat avec des humiliations à domicile. C'est compliqué et j'espère que la personne qui regardera ça dans le futur, et ben, Charles, non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Rocha, grouille-toi. Le problème, c'est que Rocha, il est jamais là à la récupération. C'est assez dingue. J'arrive pas, mes naufragés d'Internet. Oh là. Il n'y a pas hors-jeu, là? Fouch! Non! Oh! Je crois que Valette a fait un arrêt de la tête. Je crois qu'il l'a pris dans la tête. Honnêtement, je crois qu'il l'a pris dans la tête. C'est bien ce qui se passe. Cette équipe se crée finalement peu d'occasions. Mais non ! Mais t'es con, Seka ! Il fait la passe alors qu'il est par terre ! Fais la passe à quelqu'un d'autre ! Oh, la barre ! Non, la barre. Oh, je suis trop dégoûtée. Il aurait été beau ce but. La barre d'Aurélien Chedler. Allez, mes chers naufragés d'Internet, il reste peu de temps. Pas prendre de but et mettre un but. On veut la victoire et rien d'autre. On a besoin de points. Mais non. Il est dégueulasse ce but. Ce but est dégueulasse et c'est pas mérité. C'est pas mérité du tout, c'est nul. C'est nul. Ce but, il est pourri. Il est éclaté au sol. Guibert, tu rentres. Costa, tu rentres. Rocha, tu fais rien du tout.
Et la touchant, tu rentres. Ce but, il est nullissime. Rocha, il a rien foutu. Il est nulle part. Et voilà. Et voilà. Puis après, je suis frustré. Je le sentais que ça allait mal finir. Je le sentais. Mais regardez ce qu'il fait, là! Sérieux! Mais regardez! Je suis dessus, comme dans l'autre. Mais là, regardez, il passe au travers! C'est pas croyable! Les joueurs sont tellement mauvais que tu mets le pied. Mais ça suffit pas, de mettre le pied. Ça suffit pas, bah oui, ça siffle. Bah bien sûr que ça siffle. Je suis dégoûté parce que je mérite pas du tout de perdre 3. Hein. À la maison, je mérite pas. Non. Non, il y a des fois où je mérite, mais là, je mérite pas. Nous voilà pour notre troisième match, mes chers naufragés d'Internet. Le 16e de finale. Contre le Stade Brestois, donc qui est en Ligue 1. Je pense qu'on va sortir hein, ce tour-là. Donc j'ai remplacé Guibert par Merghem et j'ai mis notre duo iconique Triboulet et surtout Aurélien Schedler, 68+3. Biron, Costa, Nguimba, Agwo, Lefebvre, Fischer, c'est parti. Mes chers naufragés d'Internet, nous sommes encore à Picot et il neige. Donc nous avons notre deuxième équipe. Et c'est parti pour le dernier match de la vidéo. Aujourd'hui c'était plutôt un match de coupe. C'était tellement débile cette passe. Et voilà, donc je suis vraiment dégoûtée d'avoir perdu le seul match de championnat qu'on va jouer aujourd'hui. Vraiment dégoûtée parce que je pense pas que... Enfin, je sais pas. Je sais pas si je le mérite, mais en tout cas, je pense que les deux buts sont un peu abusés. Je pense que je pouvais faire bien mieux. Et là, je me fais... D'accord. Très bien. Bienvenue en Ligue 1, hein, mes chers naufragés d'Internet. Je pense qu'on va se faire éclater. Je suis déjà nul. Je me prends un but dans les 10 premières minutes. C'est catastrophique. Départ catastrophique. Mais écoutez, on va pas blesser les bras. Parce que le foot, tout est possible. Bon, là, nous sommes dans un jeu vidéo, donc... Les champs du possible sont... Et ne me dégommez pas, Aurélien, s'il vous plaît, là. En fait, je sais pas défendre. Je suis vraiment nul. Allez, Fischer Price. C'est bien joué. Voilà. L'égalisation de Costa, mes chers naufragés d'Internet. Oula, pourquoi tu mets un calme, mon ami? C'est pas moi qui ai fait ça. Hein. J'ai pas appuyé sur le bouton, j'ai appuyé sur le bouton X ou le bouton B, je ne sais plus. Pour faire Aurélien Schedler qui utilise son corps en opposition pour le but de Costa. Je pense que c'est son premier avec nous, Pedro Costa. En tout cas, c'est son premier en coupe, mais je me demande si c'est pas carrément son premier chez nous, sous nos couleurs. C'est un jeune du centre de formation. Oh! C'est bien donné. Vini. Allez, vas-y tout seul. Allez, garçon. Dommage. J'aurais peut-être dû la donner. Mais je me suis dit qu'ils allaient pas attendre la frappe. Justement, ils allaient attendre une passe. Bien joué, Wo. Bien joué, mon ami. Guibert qui provoque sur son côté. Oh, il est tombé. Oh non, Guibert qui rate sa passe vers Aurélien. Le mec était tombé. Voilà, on fait toujours notre petit pressing, mes chers naufragés d'Internet. Ça marche toujours. Nous sommes dans un jeu. Donc les gardiens se laissent complètement déborder, pas comme dans la vraie vie. Hein. Non, j'ai vu qu'il s'était replacé devant moi, mais c'était trop... Oh. Ah là, je suis mort, mes chers naufragés d'Internet. Non mais... Incroyable. Non mais regardez, moi je sais pas défendre ça, moi. Bah oui, j'étais sûr qu'il allait lui donner un coup franc, c'est pour ça que j'ai pas joué. Mais je sais pas, j'arrive pas moi, je comprends pas. C'est pas naturel comme... Bien joué mon ami!
Bien joué, mon petit gardien. C'est bien, bravo. Bravo. Je sais plus quoi. Moreira, tu t'appelles? Je ne sais plus comment tu t'appelles, excuse-moi. Ah, enfin. Je mets le pied une fois et ça marche. Aurélien, quel contre-favorable pour Triboulet! Et oui! Ce but est absolument dégueulasse, mes chers naufragés d'Internet. Aurélien Schedler, il arrive à dribbler. Et la petite célébration de Griezmann à l'époque de l'Euro 2016. Le hot like bling. Alors là, c'est vraiment... Le but est dégueulasse. Hein. Aurélien Schedler, je ne sais pas comment il arrive à passer. Je fais un petit dribble. Ça passe pas, mais il a le contre-favorable. Et Triboulet qui a juste à ajuster le gardien. Nous reprenons l'avantage. Nous prenons l'avantage parce que nous ne nous avons jamais mené dans ce match. Nous sommes chez nous, mes naufragés d'Internet. Et peut-être que nous allons décrocher une autre victoire en coupe. J'aurais préféré une victoire en championnat, mais la coupe continue, tant mieux, on aura des sous. Enfin, la coupe continue, on n'a pas gagné. Hein. Oh là, oh là, oh là. Allez, wow. Allez. Allez, Hag. Allez, Hag. Te fais pas avoir. Mais regardez ce qu'il fait. Bien joué, Biron. Oh, ils sont meilleurs que moi. Ils sont meilleurs que moi. Ils travaillent ma défense, ils vont marquer. Bien joué, le gardien. Bien joué. Ils sont meilleurs que moi. Ils combinent beaucoup mieux. Dans la défense, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... Pourquoi j'ai que des nuls, là, sur le banc? J'ai que des nullards. On va mettre Bondo à la place de Wimba, notre capitaine. Allez, Triboulet. Triboulet. Allez, non! Non! Qu'est-ce qu'il fait, Aurélien? Mais c'est pas Aurélien. C'est Karam ou quoi? Qu'est-ce qu'il faisait là, Karam? C'était pas Aurélien, Aurélien, il est sorti. J'ai très chaud, mes chers naufragés d'Internet, je le sens pas. On est dominé, on est dominé, on n'existe plus. Oh, j'ai fait de la merde. Ça sort. Ok, ok, on va se calmer. On va se calmer, on va essayer de sauvegarder le 2-1. Yes! Mes chers naufragés d'Internet, la coupe continue pour nous. Nous venons d'éliminer un club de Ligue 1, le Stade Brestois. Voilà, donc bilan mitigé de cette vidéo. J'ai toujours pas mes 3 victoires sur 3. J'aurais vraiment aimé gagner contre Caen. On aurait été 5e de Ligue 1, de Ligue 2. Et franchement, mais c'est, on donne tout. On va tout donner pour aller en Ligue 1 l'année prochaine avant que sorte FIFA 22. Parce qu'avec FIFA 22, je commencerai une nouvelle carrière avec Nancy et vous verrez que l'effectif est totalement différent. Et nous sommes 8e, mes chers naufragés d'Internet. C'est pas très bien, c'est même pas bien du tout. 8e avec 30 points et nous sommes à 6 points du 5e. Oh là 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 là, si on avait gagné contre Caen, mes chers naufragés d'Internet, ça aurait été génialissime. Je suis un peu dégoûtée, il faut absolument qu'on arrive à atteindre les 5 premières places. Nous sommes à la 20e journée, la saison est encore longue. Donc voilà, nous allons nous arrêter là. Et puis hors caméra, je ferai les contrats, tout ça, je vous montrerai un peu ce que j'ai fait. Et c'est le mercato, mes chers naufragés d'Internet, si vous vous y connaissez en foot et si vous voulez me proposer des joueurs à acheter. Et puis moi, je vais faire ma petite liste parce qu'il y a vraiment des joueurs qu'on a besoin de vendre et des joueurs qu'on a besoin d'acheter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, mes chers naufragés d'Internet. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations et si tu veux suivre ma carrière manager sur FIFA. On se retrouve dimanche pour le 6e épisode de Sœur contre tout. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Alivi pour vous servir.